Merci pour votre soutien. Ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, je suis coupable de soutenir les grévistes. Effectivement, je soutiendrai toujours les grévistes. Effectivement, il y a un rapport de force que je soutiendrai toujours les grévistes. Effectivement, je suis coupable. Autre chose, c'est que je voulais dire, c'est que la boîte espère effectivement, en sanctionnant, espérer que tout le monde change ou ait peur. Effectivement, on voit que les gens n'ont toujours pas peur. Il y a de plus en plus de résistance, il y aura de plus en plus, et il faut absolument continuer comme ça. La poste ne donne rien, elle cède devant les grévistes, elle cède devant les grévistes et les luttes. C'est ce qu'elle ne veut pas, c'est ce qu'elle veut vous faire comprendre, c'est que taisez-vous et baissez la tête. Et là, actuellement, on lutte. Et je ne voudrais pas trop parler de moi, il faudrait aussi parler des gens qui sont à plus de 106 jours de grève. 106 jours de grève, ça fait plus de 3 mois sans paye, voire des payes sèches actuellement. Et tout ce que nous demande le 92, c'est effectivement commencer à parler. Parler de façon boîte. Alors, ce qu'il faudrait actuellement, c'est les aider actuellement à remplir les caisses de grève, parce que bon, moi c'est, mon cas n'est pas encore statué, donc ce sera autre chose. Mais actuellement, là, ils sont dans la merde. Alors, il faudra un peu aussi les aider. M'aider, c'est aussi les aider. Alors, il y a une caisse de grève, pensez-y. N'hésitez pas à mettre des billets de 50 euros. Les postiers sont tous riches, on le sait, la boîte le dit sans arrêt. Hein, donc, on va le prouver. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bravo!